sais que je fais du bruit, monsieur Minus. Mais après tout, c'est toi qui as oublié de huiler mon armure. Mais non, ils ne peuvent pas nous entendre. Ils sont occupés à faire mumuse. Comment peuvent-ils faire des choses aussi inintéressantes? Je vais pouvoir les surprendre en plein... Essaye d'attraper celle-là, tout à coup. Qu'est-ce que... C'est incroyable, monsieur Minus. Nous volons. Ça alors, je n'en reviens pas. Même Grizzly est capable de s'amuser de temps en temps. Quel boucan. J'ai cru entendre comme un bruit de casserole en bouillon. Tu veux venir jouer avec nous? Non, je suis trop occupée. Je crois que je vais faire comme lui. Il est déjà tard et il vaut mieux que je rentre. Mais on s'amuse tellement bien. C'est vrai, mais je commence à être fatiguée. Et on peut remettre ça à demain. Tant pis, je vais devoir m'amuser tout seul. Oh. Oh. Taquin, on est au beau milieu de la nuit. Tu devrais être couché depuis longtemps. Mais je m'amuse beaucoup trop pour aller me coucher. Mais tu as besoin de sommeil comme tout le monde, sinon tu risques de tomber malade. Allez, va au lit. D'accord, dans 5 minutes. Encore une partie et je rentre chez moi. C'est la première fois que j'ai le hockey qui fait des bulles. Pardon, tout à coup. Mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que c'est? Oh pardon, j'ai la tête ailleurs. On devrait le ramener chez lui avant qu'il ne s'envole. Tu manques de sommeil et ton corps est épuisé. C'est ça qui a certainement déclenché ta crise de hockey-bulle. Est-ce que je vais pouvoir guérir? Ça ne s'aggravera pas si tu restes sagement au lit et que tu te reposes. Est-ce que je pourrais aller jouer dehors? J'aimerais bien pouvoir profiter du beau temps. Non! Si tu ne te reposes pas, ce sera pire et tu pourrais t'envoler très loin. J'en ai déjà assez de rester au lit sans rien faire. Je sais que c'est difficile, mais détends-toi et tu seras sur pied en un clin d'œil. On repassera pour prendre de tes nouvelles. Oh, je me sens abandonnée de ne pas pouvoir m'amuser avec mes amis. Attends un peu, hein? Tu vas voir. Tu ne m'attraperas pas. Wow, super! Comment tu fais ça? Tu triches! Comment veux-tu que je fasse? Ça ne compte pas! Je crois pas qu'il fasse ça exprès, je crois qu'il a un problème. Merci! Beaucoup! Je devrais me contenter de vous regarder depuis ton lit. Je comprends que tu ne sois pas content de rester enfermé. Mais réfléchis, si tu restes au calme pendant une seule journée, tu seras guéri. Ensuite, tu pourras t'amuser autant que tu le voudras. Oui, je sais, c'est toi qui as raison. Sauf quand tu dis que je dois rester au calme. C'est pas vrai, ils partent faire un pique-nique. J'adore les pique-niques. Je suis sûre qu'ils vont s'amuser, se raconter plein de choses drôles pendant que moi, je serai clouée au lit, à moins que je ne réussisse à... Je crois que j'ai une idée. Tout cela a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais malade et que tu devais rester au lit. C'est vrai, mais je crois que j'ai trouvé la solution pour éviter que mes hockey ne me fassent m'envoler. Avec ça, même si je garderai les pieds sur terre. Mais ne vous en faites pas pour moi. Arrête, à quoi tu joues? Ne fais pas ça, tu es en train de gâcher tout notre pique-nique. Il aurait été plus prudent de rester
chez toi. Au lieu de sortir et de causer des ennuis à tous tes amis. Oui, je sais que je n'aurais pas dû. Retourne te coucher. Ton hoquet a empiré parce que tu ne t'es pas reposé. Tu aurais pu t'envoler très très loin. Mais je m'ennuie tellement dans mon lit. Ça, je m'en doutais. Du coup, je t'ai apporté ma bande dessinée préférée. Oh, je crois que j'ai fait quelques taches de confiture. Ah oui, parce que je t'en ai aussi apporté pour que tu te régales. Oh, c'est vraiment gentil. Je suis sûre que je vais vite récupérer. Allons-y, il a besoin de calme et de repos. Oh. Levez les bras. Je suis là. Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, attrape. Vous allez faire un match, je suppose. Oui, et je crois que nous allons être très nombreux. Presque tous mes amis vont venir s'amuser. Oh, je suis le seul à rester chez moi. Ça va être un match génial. Merci pour le ballon. Je ne vais pas supporter de rester enfermée pendant que les autres s'amusent. Je sais que je devrais me reposer, mais il y aura tous mes amis. Je pourrais peut-être ne jouer qu'une manche. Même pas. Si tout gentil et tout ronchon me voient, ils me renverront dans mon lit. Oh. À moi, j'ai une idée. je peux jouer avec vous? Tu le connais, toi? Quelle surprise! Je ne crois pas qu'on se soit déjà vu avant. Non, c'est... Non, parce que j'habite dans... dans la vallée du Grand Sourire. On a toujours besoin de nouveaux joueurs. J'ai pas bien compris ton nom. Je m'appelle Tout Sourire. Je suis ravie de te connaître. Je trouve que ta cape est très élégante. Merci. Attrape. Attends, je vais t'aider. Il y a plein de confiture sur le ballon. Il y en a par terre. J'en ai sur la main. En fait, je crois que ça vient de lui. Je ne lui fais pas confiance. Sa tenue n'est qu'un déguisement pour nous tromper. C'est peut-être Grizzly. Il était dans les parages hier au soir. C'est ça, il s'est déguisé pour nous tendre un piège. Non, non, arrêtez, je ne suis pas... Grizzly, je suis... Oh mais non, c'est tout à cas. Pourquoi s'est-il recouvert de confiture? C'est vrai, c'est du gaspillage. Nous devons l'attraper avant qu'il n'aille trop loin. Oh non, ces crises de Hockey Bill n'avaient jamais été aussi fortes. C'est peut-être pour ça qu'il est tout mauve. Ce n'est pas bon signe. Tiens bon, Toutaka. Je le tiens. N'aie pas peur, je ne te lâcherai pas. Arrête d'avoir le hockey, Toutaka. Attention. Je devrais peut-être retourner au fond de mon lit, non? Oui. Vous vous amusiez tellement, je regrette d'avoir tout gâché. Je crois que j'ai été un peu trop égoïste. Je vous ai obligé à me courir derrière pour me sauver. Et surtout, tu t'es mis en danger. Tu aurais pu t'envoler très loin sans pouvoir revenir. Oui, je sais. Je vous ai pas écouté et ça a été pire. Tu es décidé à te reposer pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes? Oui, je vais peut-être rater quelques bons moments, mais ce n'est pas très drôle de s'envoler sans savoir si on va revenir un jour chez soi. Je vous en prie, excusez-moi. Oui. On a l'air malin. On a passé trop de temps avec toi. Nous avons attrapé ton hoquet. Voyons le bon côté. On risque pas de s'ennuyer tous ensemble. Jase avec nous pour découvrir.
ferme tes yeux, fais vite un vœu. On t'emmène sans attendre dans un pays merveilleux.